remember it. Les 250 fails de Rainbow Six. Non, je sais pas si on va pouvoir beaucoup commenter, mais ça va être drôle. Oh, il est sympa l'animation. What? Comment il est mort à cette distance? Oh, celui-là est énorme quand même. Oh, le vieux God Miché. Celui-là est vraiment énorme dans tous les sens du terme. Oh là 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 là. L'ancienne chalet, j'avais oublié cette entrée-là. La fenêtre au niveau du closet et derrière le bar gaming, du coup, il n'y avait pas le closet sur le côté. Tu pétais le truc, t'arrivais dans le bar où il y avait le mur solo. Et là, du coup, le mec fait un cœur, quoi. Quelqu'un avait raison tout à l'heure. Je lui disais, t'es sûr de toi? À savoir qu'il disait qu'on pouvait mettre la charge sur la fenêtre sans la casser. Oh ça, avec les mecs qui te renforçaient derrière toi et t'étais bloqué dedans. Oh. Oh, ça, le nombre de fois où c'est arrivé. Putain, ce shield là. Ah ouais, ouais, c'est, bah, on en a parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir renvoyer les grenades. Mais ce setup là, aïe aïe aïe. What? Jamais j'ai vu ça de ma vie. Look at my drone, but don't scan. Ah, ok, I see. Yeah, ça c'est connecteur, mais. Hold on, keep. Yeah, do it, do it, do it. I'm watching. Jaeger's coming. Name, do it. Avec la vue, c'est incroyable quand même. Oh là là, quand je vous disais l'ancienne theme park, quand on vous disait elle était sombre. Oh my god, did you see that? Did you see that? Non mais ça, j'ai jamais vu ça en revanche. Franchement, c'est incroyable ça. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Un mec qui me faisait passer sa grenade pile poil par le trou, incroyable. Ah oui, les fenêtres avant le rework de Sky. Aïe aïe aïe. What? Attends, c'est quoi ça? Oh, l'ancienne canal! Oh, le garage sur canal dont on parlait tout à l'heure! Non. Il est derrière. Oh my god. Oh, j'y crois pas. Wait a minute. What? Voilà, Ibana au début du jeu. Horrible. Voilà, la theme park. Surprise, motherfucker. What? Oh, elle est propre. Non mais les ragdolls du jeu au début c'était tellement débile quoi.
Ah mais oui, t'avais les trucs où tu pouvais te... Je sais pas si ça existe encore, où tu pouvais... Si, tu peux récupérer les amos encore. Ah bah non, la chasse au terreau elle a été enlevée. Donc tu pouvais récupérer les gadgets et tu pouvais donc du coup avoir une infinité de gadgets quoi. D'ailleurs c'était le meilleur moyen, chasse au terreau, avec les 21 kills à faire, de n'en tuer que 20, c'était le meilleur moyen d'avoir le truc en illimité et donc d'aller travailler les maps. Ou non, avec la bombe. Non, avec la bombe, il fallait faire les kills et pas poser la bombe. Ouais. L'entrée de Oregon. Oh, l'horreur, j'avais oublié. Le truc le plus pété du jeu. Tu te mettais là, tu t'allongeais, t'avais une ligne de 1 pixel ici. Impicable. Vous vous en souvenez de ça? Il y a un trap de... Ouais... Oh, le sol qui était pas pétable à cet endroit-là sur café. Mais bon, on s'en foutait parce que c'était impossible de prendre le bas puisqu'on l'avait vu à l'époque. Du coup, le bomb site était dans la bakery. Donc bon... What? Oh, le blue sur l'ancienne chalet. Oh, j'ai envie de voir le petit closet sur chalet. Oh là là... Oh là là, l'ancienne café. Oh, je sais même pas ce qu'il y a à gauche, là. J'arrive même pas à visualiser ce qu'il y a à gauche, là. Airford. This did not just f***ing happen. Le film. C'était en sécurisation de zone, donc l'ancienne theme park. Mec, tu prenais Cavera, t'allais n'importe où, t'étais invisible. What? J'en souviens pas de ça. Ah, l'ancienne, l'ancienne gaming, du coup. Oh là là, y a pas de jungle. Ton cerveau est tellement... s'attend tellement à voir un couloir vers la gauche, mais y a pas de jungle, bah. Et tu pouvais te planquer derrière le bar. Et ça durait 3 heures. Oh là là, les setups. Oh, la porte exit sur le gaming. C'était une horreur. Ce bomb site qui s'appelait officiellement le bar de merde. C'était devenu un running gag. Voilà. Et les casteurs disaient, bah, comme 6-4 le dit, le bar de merde. Qu'on prenait jamais, mais que certaines équipes avaient pris et nous avaient défoncé dessus. Avec une bonne défense du blue. Ça, c'est connu, ça. Oh là là, le rubber bending. Oh, c'était horrible, ça. Oh, le truc qui faisait péter un câble. Et que ça existe toujours. Ouais, mais moins un câble. Ah, on en parlait tout à l'heure. Donc, ancienne Oregon. Ça, ça s'appelait la mine. Donc ça, c'était la tour grise, le bout du monde. Là, il y avait les toilettes, le locker qui était à droite. Et là, le dining à gauche avec un mur T2, là, sur le côté. T'as un T1 devant et un T2 sur le side. Et un mur là aussi, d'ailleurs, qui donnait vers les toilettes. Et si tu mettais la caméra au niveau du I de Rainbow Six, là, au-dessus d'eux, tu pouvais voir dans le locker. Les mecs dans le locker ne pouvaient pas voir la caméra. C'était un mur, c'était un glitch. Rainbow Six, quoi. Oh, ça, on s'en souvient pas. Oh, regarde, regarde le trou que ça faisait, les trous de shotgun. Oh là 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 là, les ragdolls incroyables. Mais what the fuck, ça, je m'en souviens. L'ancien diffuse. Oh là là. How could it wreak such havoc? It would have hit at nearly 50,000 miles. Le fuse. Ah là là, bah forcément, l'ancienne consulat. Top yellow. Hi guys. I'm gonna turn bomb back on the... But, oh my god, that... Oh! On l'a vu tout à l'heure, ça. Sur les 250 IQ, bien sûr qu'il va fermer.
montagne est vraiment con. Oh là là, l'ancienne Sky avec le mur invincible, invisible là. Ah non, si, tu pouvais tirer à travers, mais c'était des lamelles en métal. Tu pouvais pas renforcer ce mur là. Tu pouvais pas passer au travers parce qu'il y avait le. Il y avait le. C'était des lamelles en métal, mais tu pouvais tirer au travers. Horrible ça. Trop chiant ce mur, trop chiant. D'ailleurs, c'est le kill. Ça, ça se trouve, on le retrouvera dans le. On va le retrouver dans le. Dans la vidéo, je crois pas, mais bon. Mais je l'avais fait en live. Moi qui volte à travers la fenêtre, je tire vers le bas pour casser le trap de Frost et je fais le kill du mec qui est dans la kitchen en dessous. One tap. C'était tellement un truc de con. Ouais, Rainbow Six, c'était mieux avant, les mecs, hein. Ah, ça, je m'en souviens. C'était insupportable. Ça arrivait tellement souvent. Les doubles windows sur consulat. T'étais obligé de péter le truc là, de mettre un... Oh putain, on en a pas parlé tout à l'heure. Vous vous en souvenez de la période, les pots de terre, ça faisait tomber les arbres. Et les arbres étaient matérialisés et ils étaient indestructibles et invincibles. Donc en fait, tu pétais les pots de terre, l'arbre là, il tombait ici et tu pouvais plus passer. Du coup, il y avait des techniques pour faire en sorte de taper dans le vase pour qu'il tombe au bon endroit pour pouvoir complètement empêcher à des joueurs de passer. Vous en souvenez de ça ou pas? Aïe aïe aïe, je viens de m'en rappeler de ça parce que cette map était tellement ma hantise. Et donc là, tu mettais un Blackbird qui restait là pendant 2 minutes 30. Et donc le seul truc que tu pouvais faire, c'était péter le banc ici, péter la petite jarre là, péter le truc ici, ça avait un call, on l'avait appelé le banc, je crois. Ça s'appelait banc. On mettait un shield là et c'était le seul endroit où tu pouvais regarder et faire face au Blackbird en disant bon, tu pourras pas me tuer, je pourrais pas te tuer, mais tant que je suis là, tu rentreras pas par la porte. Ah. Non, mais il a tout raté, le mec. Mais non, mais... Mais non, mais... Mais c'est pas possible. C'est le Guise. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Mais non. Vous avez des potes qui sont comme ça? Oh my god, are you Frank. Serious? Oh holy shit! A camera. That was ridiculous. Oh là là, l'ancienne trophée. Avec la fenêtre derrière, là. T'étais obligé de rester à cet endroit-là. Fallait mettre un shield, là, pour pas se faire enculer par le trap de drone. Et c'était le bomb site. Attends, elle était où, la bombe, quand t'étais là? Ah, elle était là, à gauche. Et tu pouvais venir te planquer derrière. Elle était là, juste sur le côté à gauche. Et tu pouvais venir te mettre derrière et mettre un shield et prendre une petite ligne. C'était les deux seuls endroits où tu pouvais te mettre dans le trophée parce que tu te faisais enculer. Il y avait pas du tout d'escalier à gauche. T'avais la fenêtre en face de toi, une fenêtre derrière. Tu ne pouvais pas rappel à cette fenêtre, il me semble. Mais tu pouvais monter sur les voitures. Les vannes noires et prendre une grande ligne et regarder ton pote qui était de l'autre côté, quoi. Donc toute cette partie là tu pouvais pas l'utiliser et tu devais rester ici. Et le seul truc que tu pouvais faire, c'était regarder là s'il y avait l'ombre du mec pour que au moment où il rentre, tu l'encules. Horrible. Oh non, mais ça, Mary, quoi. C'était pas mal, il y avait des bons trucs. Honnêtement, lequel vous avez préféré, dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de commenter, tout ça, ça nous aiderait. Ça paye les monteurs.